J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter. Brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit. Ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans.